place du village. Sur la place du village, ils sont accourus. Ils sont accourus. Les malheureux de tous les âges. Les malheureux de tout âge. Criant à Jésus. Criant à Jésus. Sur la place du village. Sur la place du village. Ils sont accourus. Ils sont accourus. Les malheureux de tout âge. Criant à Jésus. Criant à Jésus. Oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. En toi seul, en toi seul j'ai foi, en toi seul j'ai foi. Daigne restaurer mon être, Seigneur guéris-moi. Qu'il vous soit fait, dit le maître, qu'il vous soit fait, dit le maître. Être selon votre foi, selon votre foi. Sa parole les pénètre. Bannis leur effroi. Ô Seigneur, 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 Seigneur Jésus, tout maître. En toi seul, en toi seul j'ai foi. Oh, daigne, daigne restaurer mon être. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Il pose ses mains bénies sur leur front brûlant. Sur leur front brûlant. Et chasse la maladie de le corps souffrant. Il pose ses mains bénies sur le front brûlant. Et chasse la maladie. Seigneur, 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 Seigneur Jésus, tout maître, en toi seul j'ai foi. Daigne restaurer mon être. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Daigne restaurer mon être. Excellent Père de gloire, ce matin nous sommes devant ta face, devant le trône de la grâce. Merci parce que tu nous as donné un mois de restauration. Et toi seul peux restaurer ton peuple, parce que tu es le Dieu de toute restauration. Tu restaures ton peuple. Tu restaures notre corps, notre âme, notre esprit. Tu manifestes ta restauration à tous égards. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous sommes là pour te célébrer, parce que nous croyons que tu l'as fait, et nous te donnons toute la gloire dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le merveilleux peuple de Dieu s'assoie dans sa présence. Alléluia. Tu es béni dans le nom de Jésus-Christ. Et bienvenue dans sa sainte présence. Nous sommes dans le mois
de la restauration divine par le combat spirituel victorieux. Et je crois que chacun et chacune est engagé pour permettre au Saint-Esprit de manifester sa restauration dans nos vies et dans chaque domaine. Et chaque semaine, nous avons un thème qui accompagne la prière. La semaine passée, c'était des temps de prière pour la restauration. Cette semaine qui commence aujourd'hui, le thème c'est la prière violente par le combat spirituel. La prière violente. Et je crois que le Saint-Esprit, c'est lui qui remplit son peuple de la ferveur et du feu de la prière. Il y a des moments que tu veux ou pas, tu es obligé, je suis obligé d'exercer la violence. Et quand il s'agit du royaume, le Seigneur dit: ce sont les violents. Ce sont les violents. Il y a des choses dans le royaume. Si tu n'es pas violent, si tu n'es pas violent, tu ne vas jamais t'emparer ni prendre possession. Malheureusement, il y en a qui n'aiment pas la violence. Il y en a qui aiment rester dans la nonchalance. Là où il peut être violent, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Donc il y a des endroits que tu ne pourras pas aller. Parce qu'en ces lieux-là, c'est la violence. Si tu ne veux pas qu'on marche sur ton pied, tu n'iras pas là-bas. Mais je crois que le Saint-Esprit est en train de nous préparer et de nous conduire à ne plus avoir peur de la violence. Si tu refuses d'être violent, quelqu'un viendra te violenter. Si tu refuses d'exercer la violence, quelqu'un viendra te violenter. Ce n'est pas une violence dans le mal, mais c'est une violence conduite par l'Esprit. Quand Jésus disait que seuls les violents s'emparent du royaume, dites-moi quel genre de violence il a exercé. Il a violenté quelqu'un? Non. La violence de Dieu est différente de la violence des hommes. Et je ne veux pas qu'on se trompe pour manifester une violence charnelle au lieu de permettre au Saint-Esprit d'exercer la prière violente à travers chacun de nous. Je crois que c'est bien saisi. Alléluia. Cette semaine, le Seigneur nous invite à mener des moments de prière violente. Donc il s'agit de la violence dans la prière. Il s'agit d'être agressif et agressif dans la prière. Personne ne te voit, mais le monde spirituel sait ce que ça veut dire la prière violente. Je dis bien, le monde spirituel sait. Tes ennemis invisibles savent ce que veut dire la prière violente. Donc la prière violente a aussi un prix. Ce n'est pas la prière où tu vas t'asseoir et dire: je prie dans mon cœur. Ça, ce n'est pas la prière violente. C'est quelle prière? Ça, c'est la prière dormante. Alléluia. Amen. Donc dis à quelqu'un: réveille-toi. Dans nous m'aider dans fond. Cette semaine, il faut te réveiller. C'est l'homme et enfant. Tu vas te réveiller à certaines heures. Et commencer à dresser. À faire sortir des prières violentes. C'est des prières appuyées sur la parole de Dieu. Il n'y a rien qui soit plus violent ou plus violente que la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ce matin, nous allons lire dans Apocalypse 7, 12. Apocalypse 12, le verset 7. Oui, oui, mais qui a metté le gars. 7. Le verset 7. Jusqu'au verset 12. Okay, oui, oui, go. Et il y eut guerre dans le ciel.
Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Alléluia. Amen. Le diable est descendu vers vous. C'est à cause de cela que tu trembles. Le diable est descendu. Ce n'est pas qu'il descendra. Tu n'as pas besoin de prophétie de quelqu'un pour dire que le diable est descendu vers toi. Il est descendu vers vous. Celui qui a osé attaquer le trône de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Il n'a pas eu peur d'attaquer le trône de Dieu. Dites-moi, il aura peur de qui? Il a affronté son créateur. Y a-t-il une créature qui ne va pas essayer d'affronter? Est-ce que le combat a commencé sur la terre? Est-ce que la bataille a commencé sur la terre? Le ciel a eu sa bataille. Le ciel a eu son combat. Mais la Bible dit, ils sont sortis quoi? Ils sont sortis vainqueurs. Maintenant, le vaincu a été précipité sur la terre. Et quelqu'un qui est vaincu, vous ne pouvez pas le voir en train de se réjouir. Le vaincu est toujours en quoi? Le vaincu est toujours en... Il est descendu maintenant vers toi. Est-ce que tu vas le permettre de descendre sa colère sur toi? De déverser sa colère sur toi? C'est pourquoi il a affronté tous les hommes. A commencer par le premier homme. Si tu es homme, il est descendu vers toi. Animé d'une grande colère. C'est toi qui ris. Lui ne rit pas. Est-ce que tu es là? C'est toi qui ris. Lui ne rit pas. C'est toi qui joues. Lui ne joue pas. C'est toi qui es négligent. Lui n'est pas négligent. Il est en colère. Et d'une colère meurtrière. Une colère pour détruire. Une colère pour égorger. Une colère pour tuer. Mais souvent tu crois qu'il rit avec toi. Tu crois qu'il a? La Bible dit sur la terre là. Il n'a pas de sourire. Il n'a pas de rire. Il est animé d'une colère qui ne dit pas son nom. Et quelqu'un qui est en colère est violent et peut manifester la violence à tout moment. C'est pourquoi le Seigneur dit, le royaume que j'ai amené
n'est pas exempt de ses attaques. Il m'a attaqué. Il m'a affronté. Avec violence. Regardez la violence qu'il a fait subir à notre Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous avertit. Soyez violents. Et soyez vigilants. Et lui, son cible, c'est tout ce qui s'énorme, peuple de Dieu. S'il a attaqué Dieu lui-même, ce n'est pas son peuple qui ne doit pas essayer d'attaquer. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est à nous de suivre les instructions du Seigneur. Mais ce qui est important, la Bible dit, de même que le ciel l'a vaincu, il a précipité sur la terre. Il a donné aussi à la terre de le vaincre par le sang de Jésus-Christ. De le vaincre par le sang de Jésus-Christ. Nous, on ne sait pas où on va le précipiter encore. Mais au moins, nous avons le sang de Jésus-Christ pour demeurer ferme dans la victoire. Nous allons voir dans Exode 18. La prière violente par le combat spirituel victorieux. Exode 18, le verset 1. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Verset 10. Et Jéthro dit : béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Alléluia. Amen. Jéthro, Jéthro, le beau-père de Moïse, au Moïse en citant, à Madian a appris que l'Éternel avait délivré Israël d'entre les mains des Égyptiens et de Pharaon. Israël, Égyptien, Pharaon, il a appris la délivrance d'Israël. Quand tout d'Israël, la délivrance du peuple de Dieu. Quand tout il s'est levé avec la femme de Moïse et ses deux fils pour aller rencontrer Moïse et le peuple de Dieu et témoigner sa reconnaissance. Arrivé, il dit : Jéthro bénit l'Éternel et dit : il dit quoi ? Le verset 10 : et Jéthro bénit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon. Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon. Qui a opéré cette délivrance? Même le monde entier en son temps savait que cette délivrance ne venait pas d'Israël. Ça ne venait pas de Moïse. Il n'y a pas cette nation en son temps qui ne connaissait pas l'Égypte, qui ne tremblait pas devant Pharaon. Si Pharaon s'élevait en son temps contre une nation, cette nation était vaincue. Mais voici un peuple qui était en son sein, qu'il était même arrivé à réduire en esclavage, comme des esclaves, peuvent arriver à vaincre leur maître et leur armée.
Nous avons connu l'esclavage. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui nous avons vaincu nos maîtres? On les a vaincus. On a vaincu nos maîtres. On a vaincu nos colonisateurs. Pourquoi? Mais eux, en esclavage, ils vont faire la différence. Et le monde entier a reconnu ici là. Ce n'est pas les esclaves qui ont vaincu. Ils ne se sont pas délivrés eux-mêmes. Il dit, je bénis l'Éternel. Je bénis qui a délivré Israël d'entre les mains des Égyptiens et de Pharaon. Donc c'est l'Éternel qui a opéré la délivrance. C'est lui qui l'a fait. Et il dit, je reconnais aujourd'hui, je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Il est plus grand que tous les dieux. En quoi l'Égypte était puissant? En quoi l'Égypte était grand? À cause de ses dieux. Pharaon s'appuyait sur des dieux. Et on les appelait les dieux d'Égypte. Et les autres peuples aussi avaient leurs dieux. Le verset 1 dit, même Jéthro était sacrificateur d'autres dieux. Il était sacrificateur d'autres Dieu. Maintenant, il a reconnu. Il a connu Moïse. Moïse était quoi? Qu'est-ce que Moïse a été pour Jéthro? Un simple. Moïse n'était même pas à la mesure de ses fils. Un simple berger. Comment un simple berger? C'est lui qui a engagé Moïse. Qui lui a confié son troupeau. Je ne savais pas combien Moïse prenait. Comment un berger? Moïse est venu dans la maison de Jéthro dans la défaite. Comme quelqu'un dans la défaite allait délivrer un peuple en esclavage. C'est pourquoi Jéthro dit, je reconnais. Si toute la terre, tous les hommes pouvaient ne pas reconnaître, comme toi aujourd'hui, tu peux ne pas reconnaître. Mais Jéthro en son temps, il était le mieux placé pour reconnaître que cette victoire ne venait pas d'un homme. Il était bien placé pour reconnaître que la délivrance d'Israël ne venait pas d'un homme. Il a connu Moïse dans ses faiblesses. Même si Moïse était un généreux en Égypte, il n'était pas généreux, c'est Jéthro. Il était généreux là-bas. Non. Chaque jour, il luttait avec les brebis. Comment un tel homme peut aller délivrer tout un peuple en esclavage entre les mains de l'armée la plus puissante du monde à l'époque? Il reconnaît. Est-ce que le peuple de Dieu aujourd'hui reconnaît? Est-ce que tu reconnais que le Dieu que toi tu as là est plus grand, plus fort, plus puissant que tous les autres dieux? Il n'a pas dit seulement que le Dieu de Madian. C'est-à-dire que tous les autres, il est plus grand que tous les autres. Est-ce qu'il est plus grand que les dieux du Bénin? Est-ce qu'il est plus grand? Et toi, tu as ce grand Dieu dans cette nation. Mais regarde, c'est toi qui continues de courir pour la quoi? Pour la délivrance. Ou bien, le grand Dieu a opéré de grandes délivrances. Et ceux qui n'avaient pas ce Dieu-là sont venus pour reconnaître, pour témoigner les délivrances qu'il a opérées. Est-ce que c'est Madia, est-ce que c'est Jéthro qui était délivré? Jéthro est tout cana. Le plus souvent, le peuple de Dieu même ne reconnaît pas leur délivrance. C'est ceux du dehors qui va venir leur ouvrir les yeux. Je reconnais.
Est-ce que toi tu reconnais ta délivrance aujourd'hui? Pendant que lui disait cela, vous allez voir le comportement du peuple après. Le peuple n'a pas reconnu leur délivrance. Le peuple n'a pas. Et il cherchait toujours quoi? Une délivrance. Beaucoup sont à la recherche de délivrance avec le grand Dieu qui a délivré Israël à l'époque jusqu'aujourd'hui. Je ne me trompe pas. Les dieux de notre nation là, les dieux qui sont dans cette nation là, ne sont pas plus grands que les dieux des Égyptiens jusqu'aujourd'hui. Oui. Chaque nation a ses dieux. Mais Matthieu vient dire. Amen. Jétro vient dire. Je reconnais que l'Éternel est plus grand que tous les autres dieux. Il est plus grand que les fétiches que tu as à la maison. Il est plus grand que les objets de divinité que toi tu as à la maison. Et tant que tu vas rester dans ça, ne cherche pas la délivrance devant le grand Dieu. Il a délivré le peuple. Et il va ajouter une parole sur laquelle nous allons prier ce matin. Verset 11. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. La méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Cette semaine, la méchanceté de tes ennemis vont tomber sur eux-mêmes. Parce que le plus grand s'est levé. Quand le plus grand s'est levé, leur méchanceté, est retombée sur leur tête, retombée sur eux-mêmes. Quelle était leur méchanceté? Que toute forme de méchanceté forgé contre toi retombe sur les méchants. S'il a fait pour Israël, il le fait pour moi aujourd'hui. Il le fait pour toi aujourd'hui. Dans Exode 1, nous allons voir pourquoi j'ai trop dit. La méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Le verset 7 Exode 1, le verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Et le pays en fut rempli. Ils sont devenus de plus en plus puissants. Et le pays est rempli. Comment un peuple puissant peut devenir esclave? Comment? Et maintenant, on dit le pharaon qui va venir n'a pas connu Joseph. Et est ton Joseph. Alléluia. Amen. Il n'a pas. Et ton Joseph. Il a même mis en oubli tout ce que Joseph a fait. Et le peuple Joseph de Joseph va devenir son ennemi. Il a mis en oubli toutes les formes de restauration que Dieu a utilisé Joseph en faveur de l'Égypte. Il a restauré l'économie. Il a restauré l'Égypte par rapport au domaine alimentaire. Il a permis à l'Égypte de résister à 7 années de famine. Mais ce pharaon va mettre en oubli
Pourquoi il a mis en oubli? Parce que le peuple devenait de plus en plus puissant. Et comment il devenait de plus en plus puissant? Maintenant, il faut trouver des moyens pour étouffer sa puissance, pour amener le peuple à oublier qu'il est puissant, à oublier qu'ils ont un Dieu puissant. Joseph a bien dit à Pharaon, ce n'est pas moi, mais c'est l'éternel Dieu qui va te donner l'explication de ton règne. Et c'est encore lui qui va donner aussi les solutions de sortie. Effectivement, il l'a fait. Pharaon a vu. L'Égypte a vu. Mais voici un nouveau pharaon qui va mettre en oubli tout cela. Pourquoi? Ce n'est pas que ses yeux n'ont pas vu. Ce n'est pas qu'il n'y a pas ça dans les archives. Mais le peuple était en train de devenir de plus en plus. Voilà. Il ne va pas accepter ça. Et sur la terre, Satan ne va jamais accepter que toi tu sois puissant. Que tu reconnais la puissance de Dieu en toi. Il va développer des choses pour te mettre en corvée, pour te mettre dans la servitude. Et quand c'est comme ça, tu oublies que tu es puissant. Tu oublies que tu es. C'est ce qu'on a fait à l'Afrique. Les plus intelligents, c'étaient les Africains. Ah oui. C'est en Afrique que les inventions ont commencé. C'est en Afrique que le fer, on a commencé à extraire le fer par l'Égypte. Mais on les a réduits en dure servitude. Ils ont oublié leur intelligence d'invention, de créativité. Et cela a été détourné. C'est ce que l'Égypte a fait avec Israël. Nous, l'Égypte, bloqua Israël. Verset 8. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il en s'accroisse. Montrons-nous habiles. Utilisons la ruse. Alléluia. Amen. Comment Satan a vaincu le premier homme? Comment Satan a vaincu Adam et Ève? Par la ruse. Là où le peuple de Dieu est, Satan viendra encore. Il va chercher à savoir comment encore s'infiltrer. Montrons-nous habiles. Montrons-nous rusés. Et même cela, l'Église n'est pas exempte. Quand une Église commence à avoir des percées, Satan va venir se montrer. Il va venir de façon rusée. Il sait qu'il ne peut plus venir parmi les hommes avec le serpent. Bien. Si un serpent rentre ici tout de suite, même s'il parle, comme tu vas l'écouter. Rapidement, tu vas l'écraser. S'il a pu rentrer dans le serpent, semer la ruse, aujourd'hui il rentre par les hommes. Et il est rentré par Pharaon en son temps. Montrons-nous habiles. Rusez. Beaucoup d'hommes ont la ruse dans le cœur. Ils ne savent pas que la ruse c'est le diable. Et c'est par eux que Satan va tenir en otage les églises. Est-ce que ce matin,
Tu ne vas pas être violente contre tous les esprits de ruse. Les ruses autour de toi. Les ruses dans ta maison. Les ruses dans l'église. Les ruses à tous les niveaux. De façon habile et rusée, ils vont t'empêcher d'avancer. D'exercer ce que Dieu a mis en toi. Tu sais que tu as un Dieu puissant, un Dieu plus grand. Où est sa grandeur? Où est sa puissance? De façon habile, de façon rusée. Ce matin, comme nous commençons une semaine de prières violentes, le message de ce matin sera accompagné de prières. Nous allons attaquer cet aspect dans la prière. Est-ce qu'il y a des formes de ruse autour de toi? Est-ce qu'il y a des formes de ruse dans ta famille? Des formes de ruse dans ton secteur d'activité? Tu vas te tenir debout et commencer à prier. Je veux savoir si tu connais ce que ça veut dire prière violente. Adam a caressé le serpent. Adam a voulu discuter avec le serpent. Et le serpent l'a fait sortir de son jardin. La ruse, c'est pour te faire sortir de là où Dieu t'a placé. Par la ruse, tu as manqué ton service. Par la ruse, tu as manqué ton foyer. Par la ruse, tu t'as déplacé. Ce matin, tu vas t'élever contre tout esprit de ruse. Envoyé tout esprit de ruse, toute forme de ruse que l'ennemi utilise dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas les faire quoi? Tu vas dire que leur ruse retombe sur leur tête. Ah non, mais Bible est tombée. C'est ce que Jétro a dit, non? Leur méchanceté, leur ruse va retomber sur eux-mêmes. La ruse a marché avec Adam et Ève. Mais Bible a marché même avec Israël. Mais ça ne marchera pas avec toi. Ça ne marchera pas avec moi. Ça ne marchera pas avec l'église. Et leur travail est pris au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas croiser les bras ce matin. Détracte-toi et dis: ce matin je me lève contre tout esprit de ruse. Ruse à travers les hommes. Ruse à travers tous les moyens. Que les ruses retombent sur leur tête. Que les esprits de ruse sont vaincus par le sang de Jésus-Christ. Sont paralysés. Libre spectacle dans le nom de Jésus-Christ. Continue de prier contre toute forme de ruse, les ruses programmées. Ils sont très habiles. Ils veulent s'infiltrer partout. Que les démons de ruse sont vaincus par le sang de Jésus-Christ. Ceux qui sont à la chambre haute, priez avec nous. Le mois de la restauration, c'est le mois de la prière. Nous refusons les ruses du diable. Nous refusons les ruses des hommes. Ils viennent vers vous avec la ruse. Ils parlent avec ruse. Ils donnent les choses avec ruse. Que leur ruse soit détruite. Que leur parole rusée soit sans effet. Que leur somme de ruse soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que toute forme de ruse soit anéantie. Continue de prier. Ce n'est pas le micro qui prie.
Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et l'on établit sur lui les chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Afin de l'accabler de travaux pénibles. Des travaux difficiles, des travaux rusés. Aujourd'hui, cette ruse est là. Les gens n'ont même plus le temps de réfléchir. Accablés, oppressés. Nous allons prier contre tous les esprits d'oppression. Les esprits envoyés pour accabler. Le sens spirituel du mot accabler est plus fort que ce que nous pouvons penser. À travers ton simple téléphone, tu es accablé. Tu es accablé. Accablé d'idées. Accablé de messages. Accablé de toutes sortes de choses. Tu n'es plus libre. Nous allons prier contre tous ces esprits qui accablent le peuple de Dieu par des choses pénibles. Israël n'avait plus le temps de penser à l'Éternel. Ils ont oublié que leur Dieu est puissant. Ils ont oublié que c'est par l'Éternel que Joseph a fait toutes ces choses. J'étais réduit simplement en esclavage. Est-ce que nous ne sommes pas en train de travailler comme des esclaves? Élève ta voix et prie avec violence contre tout esprit envoyé pour t'accabler. Accabler ton corps, accabler ta santé, accabler ton foyer, pas des choses dures, pas des choses pénibles, pas des choses difficiles. Tu es accablé financièrement, tu es accablé par le chômage, tu es accablé. On dit prière violente. Tout esprit envoyé pour accabler le peuple de Dieu. Sois lié. Sois abattu. Sois livré en spectacle à la croix. Vaincu par le sang de Jésus-Christ. Les chefs de ces esprits. Sois abattu. Les carabaré menos machna shababaka. Eria sabarabash. J'invite le peuple de Dieu à la prière. Ceux qui sont aux prières avec nous. Priez avec ferveur. Priez avec violence. Beaucoup d'esprits méchants sont libérés. Nous n'allons pas nous taire. Nous avons la victoire. Nous triomphons par le sang de Jésus. Que leur méchanceté retombe sur leur tête. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux
en argile et en briques. Il les a rendus la vie. Amen. Un bon Dieu avec une vie. Amen. Est-ce qu'ils ont rendu la vie amère aux Égyptiens? Et voici le retour de la monnaie. Rendons-leur la vie. Amen. Et tu sais ce que ça veut dire, une vie amère. Donc c'est pas eux-mêmes qui ont rendu leur vie amère. La vie amère a une source. Ça a une origine. Donc ta vie amère a une source. Quelqu'un a décidé de rendre ta vie amère. Ta vie difficile. Quelqu'un a décidé de dire, tant que je vis, tu ne vas pas sortir de la souffrance. Quelqu'un a dit, tant que je vis, tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas prospérer. C'est ça, rendre la vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans ça que Dieu les a délivrés. Donc, tu vas prier ce matin. Ce dimanche là, c'est pas dimanche où tu vas t'asseoir sur le fauteuil. Hein. Si tu es fatigué, tu peux t'asseoir. Mais toujours dans l'esprit de. Dans l'esprit de prière. Nous allons prier contre tout esprit. Les principautés satanique qui veulent rendre la vie du peuple de Dieu amère. Ils ont décidé de rendre ta vie amère. La vie amère va retourner dans leur camp. Celui qui veut rendre ma vie amère, c'est sa vie qui sera. Amen. Parce que j'ai un bon Dieu. Élève ta voix et prie avec autorité. Tout esprit, tout démon, principauté, autorité spirituelle qui travaille pour rendre ma vie amère, pour rendre ma famille amère, pour rendre mon foyer amère, pour rendre l'église amère, que leur méchanceté retombe sur eux-mêmes. Et leur travail est pris. Prière violente. Ils veulent rendre ta vie amère dans ton service, dans ton bureau, dans tes affaires. Prie au nom de Jésus-Christ. La vie amère n'est pas pour le peuple de Dieu. La vie amère n'est pas pour les enfants de Dieu. Et il vit ma vie là. Peri. Le Shababakan. Maiteri Asai. Rima Kande Reminut Merias Kababash. Rima Nasma Shababakan. Le Kurabash. Rabababash. Makande Reminut Meris Kurabash. Rabalas Masharabash. Makande Reminut Merias. Rabababash. Rima Nut Masharabash. Masharabakan. Rima Las Kurte. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. La parole de Dieu déclare. Et c'était avec cruauté qui leur imposait toutes ces charges. Avec cruauté, qui leur imposait des charges. Aujourd'hui, le monde veut nous imposer. Il y a des choses préparées pour nous imposer. Des charges. Et si tu portes ces charges, tu ne peux pas être libre. Non. Si tu portes ces charges, tu deviens esclave. Tu deviens réduit à l'impuissance. Et nous sommes en train de rentrer dans cette phase du monde. Tout est imposé.
nous les bien qui veut tu ne veux pas on t'impose adjo à ma Dieu dans notre dans rien qui est d'accord ou pas tiens c'est imposé et dans zino tu nous allons prier contre ces esprits mais non on est contact ces esprits de cruauté on dit avec cruauté il y a nos oiseaux avec cruauté Christ a porté la croix Christ pour que je ne porte pas leur charge. Christ a porté la croix pour que tu ne portes pas leur charge. Tu vas dire, je refuse toute charge imposée avec cruauté par la puissance du Saint-Esprit, par le sang de Jésus. Que les charges soient anéanties. Que les charges imposées soient sans effet. Et laisse le voir prier. C'est que tu as galé au fond de Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Deutéronome 33, le verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras. Alléluia. Sous ses bras. Alors ton l'église. Éternel est une retraite. Devant lui. Dont nous comptons. Il a chassé l'ennemi. Et il a dit. Bon, Edo. Extermine. Mi vesudo. Il a chassé l'ennemi. Et il dit. Bon, Edo. Extermine. Mi vesudo. Amen. Que tout ennemi qui s'élève. Ni kento debout de tite. Soit exterminé par le vesudo sang de Jésus. Jésus incomme. Soit exterminé par la puissance du Saint-Esprit. Quand ni vesudo bon, il a chassé l'ennemi. Il dit maintenant, extermine. C'est de ton pouvoir. C'est de mon pouvoir. C'est pourquoi ce matin, il va déclarer que tout ennemi envoyé, suscité, qui s'élève, va exterminer par le sang de Jésus. Et il va sous la puissance du sang de Jésus. Bon, et par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Prière violente. Prière violente. Que tout ennemi qui s'élève contre l'Église, contre le peuple de Dieu, contre la mission, contre les foyers, les familles, soit exterminé. Exterminé. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Mande reminus peris. Mata baba babas. Mande reminus perias caraba reminus. Mazda shababa pet. Mande reminus perias. Perias sababa. Makata rabalus. Minibalas mashabalas. Raba babas. Perias sababa reminus. Mashabaka. Mashabaka. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Jésus, c'est quand même Mihodede. Notre secours. Vient de l'Éternel des armées. Mon secours ne vient pas d'un homme.
Oh, dans Job 5, le verset 8. Job, pour moi, j'aurai recours à l'Éternel. Pour moi, j'aurai recours à l'Éternel. C'est à lui que je vais exposer ma cause. Exposons notre cause au Seigneur. C'est lui notre recours. Ayons recours à l'Éternel. Sa parole dit qu'il fait des choses grandes et insondables. Des merveilles sans nombre. Le verset nous dit, il anéantit les projets des hommes rusés. Il anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre rue. Et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il t'attend en plein midi comme dans la nuit. Et l'Éternel sauve les faibles de leurs mains. Nous allons prier que les projets des hommes rusés soient anéantis. Que leurs mains ne puissent pas les accomplir. Présentement, ils sont en train de trouver tous les moyens pour accomplir leur projet rusé. Que la main de l'Éternel s'élève. Et que toutes mes rusées soient brisées. Que les projets de rue soient anéantis. Que leurs desseins soient renversés. C'est ça la prière violente. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus que nous avons prié. Ô Éternel. Oh ma voix. Que mes ennemis sont nombreux. Que mes ennemis sont. Ça c'est David qui le dit. David est le monde. Oui. Quelle multitude s'élève contre moi. Quand tu crois que tu as un ennemi. Tu crois que c'est ton mari qui est ton ennemi. Tu crois même que c'est ton ennemi simplement à côté de toi. David dit. Ô Éternel, oh, ma voix. Que mes ennemis sont, quelle multitude s'élève contre moi. Quelle multitude d'esprits s'élèvent. Quelle multitude de démons s'élèvent. Il va utiliser maintenant des hommes. Mais David dit. David. Combien disent à mon sujet. Plus de salut pour lui. Alléluia. Amen. Combien disent. Peut-être que tu ne sais pas. Moi, je suis à toi. Tu n'as même pas entendu. À tes écoutes, tu es quoi? Et que Dieu même te garde d'entendre. Moi, je suis à toi.
Si tu entends, tu ne vas pas sortir de ta maison. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu n'as pas entendu. Mais David a entendu. Avant David, quelle multitude. Des milliers. S'élèvent contre moi. Et il dit, mais toi éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Quelle que soit la multitude de tes ennemis, ta tête ne sera pas baissée. Tu ne vas pas baisser la tête. L'Éternel relève ta tête. Même si tu crois que ta tête est abaissée, avec des larmes, l'Éternel relève ta tête. Quel que soit le nombre de tes ennemis, l'Éternel relève ta tête. Et David dit, David, lève-toi éternel. Chite, ma va. Frappe. Oye. Frappe. Oye. À la joue. Mes ennemis. C'est la première fois que tu vas gifler un esprit. David n'a pas eu honte de le dire. Oui, oh, David, ben, oh, amen. Frappe! Eh. La main géante de l'Éternel. Alors, va frapper une joue. J'imagine ce que cette joue va devenir. Alléluia. Amen. Non, c'est ça les prières violentes. David savait faire quoi? David. Des prières. Éternel, lève-toi, frappe à la joue tous mes ennemis. Et il ajoute, brise les dents des méchants. Brise, sinon plus de dents. Ils vont te dévorer avec quoi? Donc tiens-toi debout. Fais comme David. L'Éternel. Comment l'Éternel va se lever aujourd'hui? L'Éternel se lève quand je me lève. C'est moi qui fais lever l'Éternel. La main de l'Éternel devient ma main. Alors, ma va ton je suis le temple de qui? Alléluia. Yes, donc tu dis éternel, lève-toi, frappe à la joue tous mes ennemis, prise les dents des méchants. Élève ta voix et prie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Souvent, c'est ainsi que tu dois faire dans ta maison. Ça ressemble à la folie. Mais David n'a pas remporté ses victoires. Il n'a pas triomphé sur ses ennemis. Si Dieu a permis qu'on écrit, c'est que ça marchait. Si ça n'a pas marché, alléluia. Alléluia. Amen. Nous voyons quoi que David était fou. Avec David, mais quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit?
Je vous ai donné le pouvoir. Namide achepikpa. De faire quoi? Waminablete. Aha. Donc avec Jésus, ce n'est pas seulement les mains. Bono Jésus quoi? Il y a lokere afola lesude mi. Ce n'est pas seulement les mains. Et y a lokere. Les mains giflent. Alors non. Les pieds marchent. Pas afola disons les. Les pieds marchent sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu vas déclarer cette prière de façon violente et l'appliquer. Le monde spirituel sentira. Tes ennemis sentiront. Les serpents envoyés sentiront. Les scorpions sentiront. Et lève ta voix et prie. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir. J'ai reçu le plein pouvoir. Je marche sur les serpents, visibles et invisibles. Envoyé, je marche sur tout serpent, caché ou visible. Je marche sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Envoyé contre la mission, envoyé contre le peuple de Dieu. Anderemenos Perias, Ribakababas, Ribanasaya. Soyez écrasés. Asla Shababakan, Perias Korabas, Rimakan de Reminos Perias, Rabababas, Makan de Reminos Peris, Rabababas, Masharabakan de Reminos, Masharabas, Makan de Reminos Peris, Dash Makaya. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mon nom est Victoire. Victoire est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est Victoire. Victoire est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est Victoire. Victoire est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est Victoire, Victoire est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom est Victoire, Victoire est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est Victoire, Victoire est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom est Victoire, Victoire est mon nom. Alléluia. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom est Victoire, Victoire est mon nom. Si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Tu vas élever ta voix comme Zétro et bénir le nom de Jésus-Christ. Et bénir le Saint-Esprit. Ils ont été délivrés de la main des Égyptiens et des Pharaons. Et nous, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de Satan. Il nous a délivrés de tout ce qui détruit le monde. Élève ta voix et bénis le Dieu de toute délivrance. La délivrance fait partie de la restauration. La victoire fait partie de la restauration. Bénis le Seigneur de gloire. Bénis Jésus-Christ de Nazareth. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qui nous a délivrés du pouvoir de la sorcellerie. Qui nous a délivrés du pouvoir de l'emboutement. Qui nous a délivrés des dieux de cette nation. Et Dieu de ce monde. Et qui nous a transportés.
dans son royaume d'amour. Dans son royaume d'amour. Nous sommes un peuple délivré. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple affranchi. Nous sommes un peuple guéri. Nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la bénédiction. Dans la prospérité. Dans la gloire de Dieu. Oh Père, je te rends grâce. Tu as dit de te rendre grâce parce que tu nous as délivrés. Tu as délivré ton peuple. Tu as délivré tes fils. Tu as délivré tes filles. Tu as délivré l'église de la puissance des ténèbres. Tu nous as délivrés de la mort. Tu nous as délivrés de la malédiction. Tu nous as délivrés du COVID-19. Tu nous as délivrés de tous les projets de ruse. Tu nous as délivrés des projets des méchants. Et tu as déclaré que leur méchanceté retombe sur eux-mêmes. Tout ce qu'ils sont en train de préparer retombe sur eux-mêmes. Retombe sur eux-mêmes. Ton peuple est à l'écart. Ton peuple est épargné. Ton peuple est sauvé. Ton peuple est délivré. C'est pourquoi ce matin, je te bénis. Je te donne toute la gloire. Je te donne la louange. Merci de répandre ta bénédiction sur ton peuple. Père, reçois la gloire dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bénis le Seigneur.